Bonsoir, 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 bonsoir à la famille générale. 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez et partagez dans tous les groupes. Yako, les journalistes, les soi-disant journalistes, surtout du bar café. Tamba Zakaria, Yako. Et Yako. On peut faire ça. Yako. Vous qui êtes censé de donner l'information au peuple de Guinée, vous qui êtes censé de défendre l'intérêt du peuple de Guinée, Yako, Yako, franchement, on peut faire ça. On peut faire ça. Hein? Tamba Zakaria, on peut mentir de la sorte. Que vous êtes des journalistes, mais incroyable. Incroyable. Vous avez vu, c'était la publication de Tamba. On a bien capturé. C'était sur la page de Zakaria Minimono Tamba, journaliste du Bar Café. Co-échangeur de kilomètre 36. Voici comment. Ils font pour tromper le peuple que des gens disent la transition, c'est pas développement. Mais je trouve, j'ai vraiment trouvé ta publication là. Combien de fois vous êtes limité? Comment on peut aller prendre des images au Nigeria? Vous avez bien vu? Ça c'est au Nigeria et non. Ça se ressemble un peu, ce n'est pas les mêmes. Mais comment vous pouvez mentir? Comment vous pouvez mentir? Parce que je n'ai pas. Voilà. Voici pour kilomètre 36. Voici ce que les putschistes. Voici pour kilomètre 36. Voici pour kilomètre 36. Où sont les lampadaires dont Zakaria, les menteurs, menteurs, des journalistes menteurs. Il a déjà enlevé. Menteurs que vous êtes. Des propagandistes. Des propagandistes, des menteurs. Ayez le courage de montrer au peuple de Guinée ce que vous avez pu, ce que vous avez fait. Vous avez transformé Kagbélé en passerelle. Oh non, il a mis le sérieux. Ah ouais, le sérieux de kilomètre 36, c'est ça aussi. C'est ça le sérieux. Pourquoi vous prenez pour les autres? Ici, c'est au Nigeria. Ici, c'est au Nigeria. Les images là, c'est au Nigeria. Pourquoi vous prenez les images du Nigeria, vous, en tant que journaliste, et pour dire, voilà, la transition, il y a développement. Mais vous êtes malade. Hein? Quand je dis vous, les journalistes, surtout du bar café, vous n'avez pas honte. Si on n'avait pas capturé, il a eu honte. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que nous vivons à quelle époque? Quelque chose se passe à Conakry aujourd'hui, en Guinée. Même dans mon village à Damaro aujourd'hui, moi je suis informé ici. Ça se passe à Lola. Damaro, je suis informé ici aujourd'hui. Le monde est un gros village. Mais comment vous allez faire la propagande? Un journaliste, regardez, sur sa page. Hein? Pourquoi vous pouvez mentir au peuple de Guinée? Ils prennent les images du Nigeria pour impressionner le peuple de Guinée. Que le bandit, le putschiste. Alors, ce que Mamadi a fait, on va vous montrer. L'argent. Les autres se sont battus. Ils ont cherché l'argent. Voici ce qu'on a donné à la Guinée. Et alors, je vous ai dit, d'abord, Mamadi était un bandit. Ce sont des narcos. Ils ont fait le coup d'État. Ils sont accompagnés que par des journalistes fautifs. Un ancien DJ. Qui est devenu propriétaire de station de radio. Et donc, la Guinée-Kalou, à la Naomali Mago, sinon vous êtes mal barré. Vous êtes tellement mal barré dans l'affaire-là. Si vous avez honte de montrer, montrez pour vous. Montrez pour vous. Oh, Mugbenaya, c'est ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire, dans le pays, il a fait pitié, quoi.
C'est devenu le rendez-vous des démagogues, quoi. Hein? Depuis que les bandits-là sont venus, vous n'allez pas voir ces faux journalistes-là. Hein? Ces faux journalistes. Bon, pourquoi vous ne parlez jamais de l'affaire de l'or? Vous, les journalistes, là. Pourquoi vous ne parlez pas de l'affaire de l'or? Les 3 tonnes, 139 kilogrammes que les bandits veulent aujourd'hui retirer. Transition. Ce n'est pas un gouvernement légal. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de l'emploi des jeunes? On met 14 500 à la retraite. Et jusqu'à nos jours, les bandits n'arrivent pas à recruter. Vous ne parlez pas de ça. Les étudiants boursiers aujourd'hui qui crèvent de faim avec les manifestations, vous ne parlez pas de ça. Les enseignants contractuels, plus de 15 000 aujourd'hui qui crèvent de faim, vous ne parlez pas de ça. Les planteurs, vous ne parlez pas de ça. Et le ministre de l'agriculture aujourd'hui qui crée un compte Orange Money parce que vous défilez dans leur bureau, on vous donne à manger. Vous ne parlez pas de ça. C'est nous qui parlons de ça. Et pourtant, c'est vous qui êtes subventionnés. C'est à vous qu'on donne de l'argent. Mamadi est venu. Il a doublé la subvention des médias. Malgré tout ça, l'argent des contribuables, on vous donne. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour défendre l'intérêt du peuple. Les accidents aujourd'hui, causés par le cortège du bandit, à chaque fois qu'il sort, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. C'est pour venir mentir devant le peuple de Guinée. Hein? Vous n'avez même pas honte. Yako, Zakaria Tamba, Mounieti, Naga Guinée Mounyema, Moussouchouena, quelqu'un qui wolfe, enfant des gens. Toi, tu vas venir te flanquer. Vous, vous êtes déjà connu. C'est pourquoi vous devez tout faire pour que votre transition, là, ça reste encore. Sinon, le jour que Mamadi va tomber, vous, votre média, là, c'est fini. Vous, votre média, là, c'est fini. Tout ce que vous pouvez gagner, là, gagnez dès maintenant. Vous avez des grosses lindries aujourd'hui, non? Vous êtes tous en train de construire aujourd'hui. Des menteurs comme ça, des manipulateurs. Un bandit vient faire le coup d'État, il n'est pas l'élu du peuple. Un vaurien, un tonneau vide, il n'a rien dans la tête. Et vous, les journalistes, qu'on va soutenir ces vauriens-là, qu'il est en train de travailler. Malgré tous les grands chantiers du président Kakonde, vous n'avez pas ouvert vos gueules ici pour parler de Soapéti. Vous n'avez pas parlé de Kaleta. Toute la richesse accumulée pour l'intérêt du pays, vous n'avez pas ouvert vos gueules pour parler de ça. C'est pour faire de la démagogie, du faux, pour tromper le peuple de Guinée. Vous appelez des gens là côte des journalistes, bar café, des anarcheurs comme ça. Regardez, vous pensez qu'on ne connaît pas votre politique? Des bandits de grand chemin, des manipulateurs. C'est pourquoi quand on me dit je tape sur le PDG du bar café, mais c'est un manipulateur, c'est un escroc. C'est des gens qui aiment l'argent. Ce n'est pas des personnes honnêtes, c'est des malhonnêtes. Vous-même, vous avez vu ça là. Ça, ce n'est pas énervant. Une image du Nigeria. Kofa Roua. Vous pouvez taper Kofa Roua, vous allez voir. C'est au Nigeria. Vous avez honte? Ce que Mamadi a donné, mais montrez cela, c'est fini. Parce qu'on a tapé sur l'autre aussi. Vous pensez que le Guinéen qui est à l'intérieur ne peut pas connaître? Regardez. Des manipulateurs comme ça. Des faux journalistes. Où sont les lampadaires ici? Où sont les lampadaires? Tamba, menteur. Tu allais enlever maintenant. Tu as eu honte. Tu as enlevé. Tu as eu honte. Tu as eu honte. Parce que... Non, mais... Non, je remercie tous les communicants. Franchement, des Guinéens restent fidèles et honnêtes toujours. Et on dit encore, chapeau, Kankakalu. Al-merci. Non, qu'elle a dit, al-merci. Horon a dit, n'acceptez pas ce bandit-là. Malgré les militaires ont été mobilisés partout à venir à Cancan. Les administrateurs à venir en Cancan. On dirait des enfants. Il faut une liste. Mais vous avez vu Cancan. Malgré tout ça, là, on a vu les images. Vous-même, bon, attendez. Hein. Là, ils ne vont pas dire qu'on a... On a pris ailleurs, c'est monté. Voilà, je vais
aller sur la page de DCI. Nous, il n'y a pas de démagogie. C'est terre à terre. Il n'y a pas de démagogie. Voilà. Je vais sur leur page Google. Je suis déjà en Guinée. Voilà. Voilà. Je suis déjà en Guinée. Vous-même, hein, regardez. Hein, on va vous montrer. Regardez ce que les Moussa Moïse ont mis. Vous voyez tout ce qui est noir, le nombre de policiers. On va bien agrandir. Que les gens sont sortis. Regardez très bien. Regardez très bien. L'image, c'est pas monté. Regardez les militaires et les motards que eux-mêmes, ils ont payés. Voici leurs images. L'autre, attendez, il y a l'autre ici encore. Vous pensez que vous pouvez endormir les gens? Les jeunes même qu'ils ont déplacés de Conakry. Regardez. Tout est là. Tout est là. Tout est fait. Regardez. Les véhicules. Tankan. Merci. Al-Qaïla le fait. Ko horon alli. Ko fissri lombal taldi. Ko fissri lombal taldi. Allah centre culturel. Maison de jeunes. Les banques. Les bâtiments administratifs. Allah slalou. Kankaka denou. Même Doumbouya. Kata kabla force spéciale kuna. L'une des forces les plus puissantes qu'a Mamadi. Kankaka de. Pour le prendre, pour le nommer. Wallahi. Al-Qaïla. Présent Fakonde. Kono. Ko horon aldi. Ko kankrenti l'aldi. Ya. Makoun. O kafisa djamfaye. Makoun kafisa djamfaye. Ay merci. Al-Brahila. Ko horon aldi. Makoun. Mieux vaut se taire que de s'associer avec les traites. Mieux vaut se taire que de s'associer avec les traites. Franchement, Kankan, vous avez montré. Oui, Kohoron a dit. Que ce que le président a fait pour vous, vous êtes reconnaissant envers lui. Albra Allah dignité il a. Fisri l'ombali le ko, quand il y a le kemo Béa le kon satoli. Allah te fisri l'ombali fait. Alouka dunia l'état. Ils ont choisi ce bas monde-là. Non, Alka Kankrenti Yaïla, leur manipulation là, tout le monde a compris. Même les médias, les journalistes, combien ils ont mobilisé. Mais au Benata, tellement qu'ils sont accompagnés de malheur. Kata tiena d'info abi. Malheur manlou. Djamfantelou. Non, franchement, moi je suis fier de vous. Hein. Wallahi Kankankalou. Albra Allah Horon Yaïla. Albra il a la Guinée là. Parce qu'un cas où le faut. Mamadi a traité Mankalou Kunagbeya. Mais Al-Brahila, Kosu Kote, Al-Brahila, les gens de Kankan vous avez montré, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Sinon, si c'était ça, entre les cas, fait. Mais, Kona Kenya, nous avons le fort, Mankou Kafisa, Kualu Ebo, Kualu Ebo, Bandi Menounia. Non, vous avez franchement prouvé au conscient que oui, vous êtes fidèle. Al-Koumakan, vous êtes fidèle. Aujourd'hui, on mobilise, on dit aux gens, si tu ne sors pas, et vous avez même écouté Mandia Sidibé, Ko, Zéré Kouré. Ko, Zéré Kouré a fait mieux. Ko, Zéré Kouré a fait mieux. Allah Kalbo. Les curieux sont allés pour voir. Je vous ai dit, les gens vont par curiosité pour voir le chef Imba. Sinon, Monte, voilà, quoi, Diana Mien. Sinon, Toroya Mien, Kankakal, Kokabé. Albek Alon. Ya. Kankakalou, vraiment, ils ont prouvé qu'ils sont honnêtes. C'est que tu es comme il faut. Je suis enflammé. Génération, ma. Kokafria, le bas, kafriate. Tu es là encore. Présal, il faut connaître la flamme. Kokafria, le kafriate. Kankakalou, kala, horoya, ila. Donc, Kankakalou, tu es là, bena, manipulation fausse, là encore. Maman dit, toi-même, je crois que au Braille Boboutou, il faut tenter que toi, tu vas être président en Guinée ici. Tu viens de Kankan, ils t'ont montré. Ni la fissure l'homme baliate. L'endroit là. L'endroit que tu veux aller fêter là-bas. Eh non, fissure l'homme bali. N'go kemi fissure l'homme balili. Fissure l'homme baliloufa. Mamadi Doumbouya. Aïra te malouya là. Bon, loi, mamadi te malouya là. Natre malouya là. L'endroit là. Nous, d'abord, on vous montre la maquette. Le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé. Exécuté. Déjà, c'était exécuté à 70%. Regardez, c'était déjà exécuté
à 70%. Le bandit est venu pour accélérer ça. C'est demain, c'est là-bas que lui va aller fêter. Tu vas tromper qui? Tu vas tromper qui? Ni la fissure, l'homme baliaté. L'argent que l'autre a cherché, tu es en train de tout dilapider. L'or que le président Fakonde a cherché, tu cours derrière ça aujourd'hui. Toi, tu ne peux pas créer la richesse. Ne fissure l'homme baliaté que toi, tu es en train de travailler. Il faut créer la richesse. Si tu as un savoir-faire, il faut montrer aux Guinéens que toi, tu peux créer la richesse. Mieux que le président Fakonde. Ne fissure l'homme baliaté. Mamadi. Ici, ni Boumina. Kanka. Grâce à qui? Ni ta te fissure l'homme baliaté. Non. En tout cas, moi, franchement, je suis encore fier. Kanka Kalu, Nabaya Kalu, Al Merci, Al Brala Horoyaïla. Même Al Denkake, Dembara Kokronkela, Dembara Kokronkela, Kailala. Quand ton propre enfant, il fait des bêtises, il faut lui montrer. Docteur Diane Léo, ni Docteur Diane Léo, la Sababou Tumte, n'a la combat Tumte. Est-ce que Bandi Mitre dit que est Sourassi et la Guinée? Ni RPG Tumte pouvoir là. Est-ce que Bandi Tia Mitre dit que force spéciale y est? Il a mis qui là, qui est lié. Là, c'est la côte de réel. Père à son âme. Il m'y a tché à Ila. Fils de l'homme bali. Comme m'a dit, qu'au sauveur. Bandit naïre. Moro courant côté fort. Et puis, ingratitude. Kafa. Moro courant. Allons nous olema. Kaké mou bala maloyaye. Kal dike feigné. Ante wama. Aka gbanya nyaka. Al di la gbanya londo la fana. Inch'Allah. Allah, Allah, fils de l'homme bali. Allah da sara dalma. Et, ni l'or te coupe présent fa koné ma coquet. Alu yere ka kruse, ka aluko, ka fanu dalkana. Kalke mwoye. Alu fisri lom bali woyena ka oti ikere. Kwanyan siko ka anya bayma. Lansa na konte kasanyu jurikeya. Altra la te yala. Kuma befola ya. Al malwuri. Kwa it kosurasi laldi. Mwami nane ka alta, ka la dianye. Ka tol ton yu malufora. Fisri lom bali lu. Kwani yo la malwe anya koro. A musoye sa. Ali Allah mo kunta ya ila ambe la fanako. Aluta kwa tina prezant Fakonde buye. Kwa mne kota lubuye na kodanka la nuko. Koka lubuye. Fisri lom balilu. Ante wama. La ima di alfoliko kunu. Alfoliko. Mem ye kankaye. Ijoso la nite. Alfoliko. La gine sura silo. Sura naluka tala uri bisumi noni. Kuma bebaraba. Petete iburto kado malile lai. Son un bandit chien ni si mokuna, kambre baya y kuma baba foye, foye tekela, jamana bebra toro, foye tekela. Mou l'bra toro, senekela l'bra toro, ekol de l'bra toro, bebra se. Al te fosma via fo. Ah, les anciens, oui, ils ont volé, alouye bolola. Et regardez à Kanka aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de construire, mamadina duyolou, al bra oulila, ka docteur Diane la maluya. Sura si kundou liye. Alma mo simina docteur Diane le la maloya labi président Fakonde anakomolu ni fisri lom baliate e mo lui al bonoro foi tuntalde fisri lom balilu côté falu ñene moro koronu côté falu ñene foi quand cela toi la ligne anu tient le coq Allah foi ta maslana Allah force le ta maslana parce que anu tient le coq ante via coq il m'a président Fakonde ta que ni monnaie. Kamo bonoro kakobeke manamana moni si ko demokrasi o manamana mole kante kwa le di masa yake akaranti buro abloni ti buro amo ti buro mo kuntang ban santani buro ele ni si biko ile koto la gine marala sanji kerenu anna to sanji fla le mate toraya bara bebo ekonomi bara ro tien bebri buri la gine ma anna operateur ekonomi bebrawa fisri lom balilu kwa le do bo lankri do yala kuma bara ke mol brase. De te faligner, ah ouais, comment aller faire quand il s'en taille à les blalco, en disant à blalco boutou. Il m'a moi, nous tabraquette d'anatimi. A lui, bon l'eau la fambe, al bramo ou cabon sac à daluma. A lui, recagne au cobella, aliaka à l'amour au balou. Les gens qui nous ont tout donné, ils sont en train de les humilier. Et dans cas l'encore quand si, dans cas l'encore quand si, voilà, en ta kefou. Non, franchement, c'est énervant. Oui, je suis énervé contre ces voyous-là. Moi, Allemand kaka bouyande. Parce qu'Allemand, là, moi, balou bouyan. Na, il a moi, il dit kokurunke. Il dit kokurunke, il dit hankrisro. Mais fils de l'homme, balou lui, ici. Manamana, 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 kola, jamana, te wara, yro, salte, c'est fausse-là. Anyaka, anyaka kamike, anyaka kamike.
Mais si les gens savaient combien de fois ce pays-là aujourd'hui est économiquement à terre, tu peux tout dire sur le président Alpha Condé. Tu peux dire qu'il a fait troisième mandat. Mais sur le plan économique, il avait mis la Guinée sur la voie de l'émergence. Même les opposants la peuvent témoigner cela. On peut tout reprocher. On va dire oui, il a fait troisième mandat. Mais le président Alpha Condé, sur le plan économique, ce pays-là, d'abord les appréciations de la FMI, ses amis de la sous-région, quelqu'un qui vient, il donne combien de mégawatts de courant? Les voyous viennent, c'est les chantiers du président Alpha Condé, ils vont se flanquer pour dire, oui, nous, on a mis du sérieux. Du sérieux. Vous-même, votre propre bilan, combien de détournements? Vous avez donné 448 milliards. 448 milliards. 448 milliards. 448 milliards multiplié par 5. C'est le montant qui a disparu sans trace. Allez, ici, moi, plus de 200 millions de dollars. Hein? Plus de 200 millions de dollars disparus comme ça. Mais bravo, Benyana, Ben Sabari. Wallahi Bilay. Ni Mamadi, c'est-à-dire Allah Maliato, ça serait du jamais vu. Kode ki Mamadi là, a mignon maqué la Guinée-Taro Fonoba. A maqué Masala Fonoba. A dit que Benya Koraya. Allez, signez ça et mettez en tête. Wallahi, Kode ki Mamadi là, a maqué Masala la Guinée. A maqué Dadis là, Dadis Tako qui se fera Kunko, au Bedoyani. Accident ne kene obey. C'est quoi qu'on a tenu Bewala. Général Lassana Conte. Même Alkako comme il connaît président Alpha Condé là, Anya Franco oui, Akalamala, au Bédo Yatoli, à Tadi Djouyanoué. Voilà, il y a encore moi aussi, Netoum, à Kouati Barasela, à la Brousse, nous qui sommes pressés, mais Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dieu n'est pas pressé. À Wati Barasela, Koun Faya Koun, à Dake, on est pressé nous. Mais, tout ce qu'on demande au peuple de Guinée, c'est prier seulement. Ce qui est bon pour nous, que Dieu fasse cela. Ce qui est bon pour le peuple, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela. Ne la salie ou le watibe. Anna here komino. Allah ma ou le kelanye. Akana ke la gine kaluma troyaye. Ka mo kunta minuta ka bo ankuna. Akana kam ma tienye. Jamana eto jamana kono delu buru mo brebarelu. Mwom ndise ka jamana mina wanyefe. Malgré critique ni fembe. Me prezal fa konde. Bekalon. Kwatre. Sla brebre ka jamana la da. Ka jamana developpe. Kadjamana konodel botroyaro. Allah sait les traits. Les engrais, les machines, les tracteurs. Envoyez les étudiants, les former. Bande de vauriens, vous venez des tonneaux vides quand vous allez parler de mérite. Parlez d'abord de vous-même. Remettez vous-même en question d'abord. Vous êtes mieux que qui dans l'armée? Vous êtes mieux que qui en Guinée? Nos administrateurs, vous êtes mieux que qui? Bande de vauriens, si ce n'est pas l'arrogance, les armes. Vous êtes mieux que qui? Non, je vais vous laisser. Franchement, c'est choquant. Franchement, voir ces journalistes malhonnêtes soutenir, hein? Borimato, ana a chouni belle où les fallait démagogue. Amato, président du bar café. Voici des gens des journalistes, des gens qu'on peut dire des modèles. Des vauriens comme ça, là. Des démagogues. Et mouna dede, faux bruit na dede. Si ce n'est pas conseil de Azaya, c'est conseil de Gianni Alpha. Partout où il y a les gens, rien na dede, et en amène. Vous n'allez jamais les voir à la mosquée. Vous n'allez jamais les voir en train de défendre l'intérêt des jeunes, l'emploi. 14 500 personnes sont à la retraite. On ne parle dans leurs émissions, ils ne mettent même pas la pression sur le ministère de la fonction publique pour dire ah! Non, ça c'est anormal. Mettez 14 500 personnes, il y a un vide dans l'administration. Un vide. On ne vous a même pas dit d'augmenter sur les 14 500, mais de recruter encore 14 500. Vous créez un vide, il faut combler ce vide-là. Mais les journalistes, là, c'est malhonnête, ils ne vont pas parler de ça. Parce que oui, ces voyous-là ont fini de vider nos caisses. Le président Alpha Condé a fait combien d'années? Vous avez entendu ici qu'il y a problème pour payer les fonctionnaires du 23-24. Plus tard, 26, tout le monde était payé. Bande de malhonnêtes. Le port de Conakry aujourd'hui. Ils n'arrivent même pas à faire sortir 100 conteneurs par jour. S'ils font sortir 80, non, là, le directeur est content.
Mais au temps du Prague, demandez 250 à 350 conteneurs par jour. Et ce que cela rapportait à la douane. Mais aujourd'hui, par leur, c'est-à-dire des bêtes, ils sont là à mettre la pression sur les directeurs. Ah, on veut ça. Oh, on augmente les impôts. Qui paye? C'est le peuple. Qui perd? C'est eux. Avec des décisions qu'au nom du 27 jusqu'au 30, qu'aucun camion ne doit circuler en Guinée. Mais ce n'est pas bête cette décision. Ce n'est pas bête cette décision. Des hommes d'affaires, on vous dit, 3 jours, vous, vos marchandises sont bloquées. Vous dédouanez. Ils vont stocker où? Vous avez pensé à ces conséquences? Mais toujours des décisions populistes, sans analyser, sans discuter avec la chambre de commerce, sans discuter avec les experts, des vouriens qui sont assis. À partir de maintenant, aucun véhicule ne circule. Mais je vous dis, on a affaire à des vauriens. Pour eux, même s'ils ne font pas de recettes, parce qu'ils ont trouvé la méthode, les bons qu'ils émettent, du jamais vu. Allez-y, vous allez parcourir les 11 ans du président Fakonde. Ils ont émis combien de bons? C'est-à-dire, prêts auprès des banques pour pouvoir payer les gens. Le CNRD, ils sont à leur 7e. La dernière fois, vous avez entendu, 900 milliards. Et à chaque fois, ils ne peuvent pas payer. À chaque fois, il ne peut pas payer l'argent là. Et l'intérêt, ça ne fait qu'augmenter. Je vous dis, celui qui va venir après Doumbouya, voilà, il va se prendre la tête. Et il doit être formé. Il doit avoir des relations. Il doit avoir des partenaires. Sinon, voilà, ces malhonnêtes journalistes-là, ils vont dire, vous avez vu, Doumbouya, il était en train de faire des projets, mais il ne savait pas que le bandit, le narco, le vaurien était en train de prêter de l'argent à Doni Tongo et n'a fait rabat Fenakui. Tina, menga na kam fama sono, na fa toro sono, menga fa fala, na mwalife. Awa era politique na nakine, era démagogie na nakine, et na lagine ka e trompe fe na nankui, et na walife. Bandina, det sa fe, abo refare. Ils sont en train d'endetter le pays. Mais le Guinéen qui ne comprend pas, et on regarde le bâtiment, le bandit en train de travailler. On mousse se comprendre, Sindé. Odora, c'est quand ils vont vous faire le bilan de ces bandits-là. Oh, kouni soumane. Et bara kobri na rankana. Dans un petit temps, vous allez comprendre, le bandit s'achète des montres de 400 000 au Mouéma. Avion femme, mais Guillaume Akolo, avion sera arabe. Nagana Kene, Ananabama. Odor, quand il est en train de travailler. On ne sait se comprendre ici. On d'abord des journalistes démagogues. Nagana Madi Fora, à majorité, brin démagogue d'oro. Odor, et n'a autre trompé fait. Mais, sorry, et nous n'a sur l'or et l'or. Au femme, on a fait, blogueur et j'ai fait. Si vous voyez aujourd'hui, nous les blogueurs, on prend de l'ampleur aujourd'hui, c'est parce que les journalistes aujourd'hui, et vous n'avez pas dit falade, étant, ils sont régrimentés là-bas. Nous, et non, ma misère, Charles Wright s'est flanqué pour dire qu'ils peuvent nous faire entrer. Moutana Charles Wright fait un bébé. C'est nous qui avons cherché Charles Wright aux États-Unis, il s'est caché. Donc, il y a une bêtise, n'a dame à la Guinée frontière, et vous n'avez pas cessé à mouton compte. Cessé. Donc ces journalistes-là, ils ont tous peur. Combien de fois Lincoln a été convoqué? Combien de fois les médias, ils ont sanctionné des médias? Parce que les bandits, ils sont allergiques aux critiques, ces voyous-là. Tamara Falaobé, moi je suis déterminé. Orafé, tant que vous ne dégagez pas. Donc demain, la famille... Demain, la grande mosquée de Forokaria, grâce à Dr Kassori, sera inaugurée au nom de Don Kass, décision prise par la jeunesse de Forokaria. La grande mosquée de Farana aussi, M. Oyegilavogui, c'est-à-dire Alié Mobala Maluyala. Dr Kassori, aujourd'hui, c'est-à-dire toute sa famille est en Guinée. Si cela voulait fuir, Damaro était avec sa famille. La majorité de sa famille était en Guinée. Si ces gens-là voulaient fuir, ils avaient les papiers américains. L'ambassade des États-Unis était proche d'eux. Ils pouvaient aller là-bas. S'ils se reprochaient. Mais Doumbouya, tous ces grands, lui, il les a donné l'autorisation de quitter, de sortir du pays. Il a donné l'autorisation à ces grands de quitter le pays. Eux sont sortis. Si Dr Kassori se reprochait de quelque chose là, il allait fuir. Si le docteur Diané et tant d'autres là se reprochaient de quelque chose, ils allaient fuir.
Mais ils sont tous restés. Voilà. Non, non, non. Sangiana, Baliaka, Bekaye, Aluka, administrateur, le comme on lui est bon, Kassoura Silou, Ka pression la molu koka. Ire ka la modul kame. No, kanka kamika mabe, zire kure, jamani bola katimi. Alma, mga fali nyene, beyi sabari. Koma koka ma yere lon, fobie ta yere lon, na fabra se la banki bondala. Abara fri la lolo, ko lui le candidat. Ni danka le kake la gine sura silu ko, ni danka le kake la gine kato luko. Anta si anya mafene. Mbra fali nyene, koko sranta na yi, andi sranta ya ilala. Ama fa ko fisri lombali la yi, adi o sarayi fana. Kambere balu yen isi molu kuna kake kumaro kurun foye altese fos le kala foye foye katroya bla molu koka hein? Donc merci Abaka Kouyate Makumba Sangare Ahmed Fofana merci Haya Diallo merci à vous Abaka Kouyate Sangiana Bekaye ils le savent c'est des démagogues voilà Cheikh Ahmed Tidiane. Inch'Allah, le moment va venir. Nous, le combat, tout ce que nous, on avait voulu mettre en place, c'est déjà fait. C'était de appeler nos leaders là, de se pardonner, de s'accepter. Voilà. De former une équipe face à ces bandits là. Et ils sont parvenus à le faire. C'est le plus important. Ils doivent décider entre eux là-bas. Allô, je suis en direct là. Oui. J'ai déjà parlé de ça. Donc, merci. Abdi, ok, merci à Abbé Didja Fofana, merci à vous. Aliou Bari, merci à vous. Sam Djoul Sherif, merci à tout le monde. Mamoudou Kourara Sano, merci à vous. Y a des gens, d'après eux, que nous, qu'on fait des vidéos, d'après eux, que pour se faire de l'argent. Attendez. Je vais vous montrer ici, peut-être mes comptes, ceux qui disent que c'est monétisé, que combien d'amour. Je vais montrer. Moi, j'aime. Vous savez, moi, je suis terre à terre. Je vais montrer aux aigris. Parce que eux, que non, Facebook, ils les payent. Moi, je fais mon Uber. Je viens de terminer mon Uber tout de suite là. Voilà. Attendez, je vais montrer. Parce que il y a des démagogues. Ils ont, tellement qu'ils sont dépassés. Damaro, voilà. Je crois que vous voyez, hein, 1200. Tout le mois. C'est-à-dire, moi, mes pages là, voici ce que Facebook donne, 1200. Vous voyez mon Uber. Si je n'ai rien fait dans la semaine, c'est 1500 $. Si je n'ai rien fait dans la semaine, ça, c'est un mois, 1200. C'est tout ce que moi, je n'ai pas de compte YouTube. Je n'ai pas de compte pour démonétiser TikTok. Je n'ai pas ça. Voici tout ce que, d'abord, non, je les montre parce qu'ils n'ont rien compris. Ils sont assis tellement que ces petits blogueurs-là, ils n'ont pas, il fait des vidéos, c'est l'argent. Regardez, si je veux taper moi, Damaro, je dis, je veux 2500 dans la semaine. Je m'assois, je complète mes 12 heures par jour. Je fais plus de 2000 et quelques. Si je ne veux pas travailler du tout, là, c'est 1500 dans la semaine. Moi, Damaro, je fais dans mon Uber. Aujourd'hui, là, Alhamdoulilah, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai fait 294. Je pouvais continuer jusqu'à 400. Je n'ai travaillé que près de 8 heures. Si vous vous flanquez là-bas, et non, 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 et il fait des trucs. Moi, malgré, je vous ai dit 1000 fois, ça dit tellement qu'ils n'ont plus d'arguments contre le général. Ils sont embrouillés, ils n'ont plus de sujet. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour les petits blogueurs. Des vauriens comme ça, ils vont venir dire que Facebook.
Il y a une fille qui a mangé mes 25 000 dollars ici. Le compte, moi, Damaro, ma Guinée d'abord, j'ai démonétisé. Donc, vous qui parlez de quoi? Damaro, c'est ce que Damaro dit. Si Damaro était menteur, là, comme il y avait des menteurs avant, les gens ne les écoutent pas. Si ce que je disais, les gens ne voyaient pas de vérité dedans, pourquoi ils allaient payer des passes, l'argent? Surtout actuellement, c'est dur en Guinée pour écouter Damaro. N'argumental qu'on a, on regarde Benito, on regarde Mamoudou Sylla, on regarde tout le monde. Les gens ne vous regardent plus. Hein? Vous voyez, ils font ça. Personne ne vous regarde. Même 50, même 10 personnes souvent. Moi, je vous ai dit, malgré qu'on attaque mes pages, ici, matin, midi, soir, mais vous voyez toujours les gens, ils ont soif de la vérité. Quand je ne fais pas de direct, moi-même, deux fois, j'ai peur, quoi. Les gens ne font que m'envoyer des messages, m'appeler. Le général, il n'y a pas de nouvelles. Je vous ai dit, même si moi, je viens, hein? Même si moi, Damaro, je ne fais pas de direct, c'est-à-dire je ne donne pas de sujet, je viens juste m'asseoir. Wallah, ceux qui m'aiment, ils vont venir causer avec moi. Donc, changer de sujet, je vous ai dit. Il ne travaille pas, il n'a pas de maison. Oganafia tanara onutaga odundu damaro tanabe adege gafanyira awa tinama oma bazento mane damaro ma pak et mes grands encore ils vont m'envoyer beaucoup. Ça dit Damaro, vous voulez voir le gars à terre, son dos est soudé. Quand Dieu aime quelqu'un, c'est pas vos bêtises, vos paroles là, qui va rabaisser la personne. Moi je ne me couche pas, d'abord j'ai pas d'ennemi. Ça dit l'homme, Pour que Dieu même t'aime, quoi. Quand tu dors, il ne faut même pas mettre la haine au cœur. Malgré que je critique, mais je ne mets pas la haine. Je dis toujours ce qui est bon pour nous, que Allah fasse cela. C'est quand tu as la haine dans ton cœur. Regardez-vous. Surtout les aigris, là. On a rossi fene, au Fatimato, al Farima fene, al Kosolali. Parce qu'il y a du soukoum. Haine, il y a du soukoum. Quand il y a comme ton loup. Bravo, Alunyana. Allô, le Seigneur. Sinon, nous, on est là. Matin, midi, soir, on tape sur vos bandits, là. Allah, fausse de ça, non? Antal, tofola. Allô, Aïlala, Anou, tofola. Donc, Ayouba, Drogba, Sanyo, merci. Non, Ouma, bah, merci à vous. Non, le combat est terminé. Moi, j'ai fini pour la soirée. Je voulais juste taquiner les petits blogueurs. Voilà. Abaka Kouyaté, ne répondez pas à ces gens-là. Moi, j'ai fini d'aider pour moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Mamadou Dian, merci à vous. Voilà. Balde Tcherno Mamadou, merci et bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, demain, on se reprend encore pour d'autres directs. Bonne nuit, on est ensemble. Nene Drame, merci à vous, ma soeur. Merci à Ali Bana Saran, merci à vous, à tous ceux qui prient pour nous. Je vous dis, c'est grâce à vous. Moi, Damaro, je ne tombe pas sur mes ennemis ou mes ennemis ne me voient pas. Voilà. Je sors pour le boulot et je rentre à Alhamdoulilah sans problème. Donc, grâce à vos prières, grâce à vos bénédictions, nous, on peut dire aujourd'hui Alhamdoulilah. Donc, le combat continue. Ahmed Fofana, merci.